Salut les amis, c'est Arthur 27 qui est de retour sur Metal Gear Solid Ground Zero par Hideo Kojima. Donc voilà, je fais une vidéo vite fait au début du jeu là, parce qu'il est tellement beau, il est magnifique. Et il me déçoit vraiment pas. Donc là, j'explique vite fait, là, je me suis fait repérer par la lumière. Là, on voit mon ombre. Et franchement, c'est vachement bien détaillé, c'est le moindre bruit. Moindre ombre, c'est vraiment de l'infiltration comme j'aime. Donc là j'ai fait plein de petites vidéos Bing. Et j'ai déjà quelques heures de jeu et les deux heures de jeu comme ils avaient dit hein, non, il faut beaucoup plus que ça hein. Parce qu'il faut vraiment bien fouiller toutes les façons de d'approcher, c'est oh il est top. Mais je referai une vidéo une fois le jeu terminé pour essayer de vous faire voir les meilleurs passages et pour motiver pour certains de l'acheter, pour ceux qui sont pas fans de Metal Gear Solid qui voudraient pas mettre 29€ dans le jeu pour un prologue, parce que ne pas oublier Metal Gear Solid c'est le prologue pour Phantom Pain qui sortira je ne sais quand, normalement pour l'année. Hideo Kojima a pourrait nous faire la surprise, ce petit coquinou. Donc là, ce Metal Gear, c'est que je voyais les vidéos sur YouTube ou upload, je vois, il est beau et tout, mais quand on le voit vraiment en réel, c'est vrai que c'est pas du tout le même rendu. C'est incroyable, beau, c'est fluide, c'est. Donc voilà, j'aime bien. Donc il ouvre la petite serrure, petite attaque. Allez, ouvre. Alors, je cherche un peu les boutons. J'ai pas trop suivi les indications au début du jeu. Parce que j'étais dans un groupe d'amis. Ah, forcément, je peux faire des choses à la fois. Voilà. Donc, je cherchais un peu. Je regardais s'il n'y avait pas du monde qui allait arriver. Sans là, j'ai fait la vidéo vraiment à l'arrache. J'ai essayé d'exploiter au maximum 2-3 choses là au début du jeu. Parce que là, je vais recommencer carrément le jeu au début et vraiment essayer de faire l'approche nickel. Nickel chrome. Hop. Contact me if you need advice. Donc, il y a le petit zinzin là qui vous explique ce qu'il y a à faire. J'aime bien passer à côté des tentes là, c'est voir le mouvement des toiles, le bruit de la pluie sur la toile. Enfin, les petits détails. Le reflet là, de l'eau sur lui. Ça, je trouve ça sympa. Ouais, j'adore. Mais va revoir la vidéo là, c'est. Ouh ! Le kiff ! C'est magnifique. Et hop, ben voilà, allez, je fais le snake. Il a mal au ventre, il est constipé. Non, c'est vrai que je me déplace souvent accroupi. Enfin, j'aurais pu me déplacer normalement, mais pour éviter le moindre bruit. Donc, voir le gars que j'avais shooté. J'amuse avec la Mad Light immense. Youhou. Il y a du monde. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, mais j'ai pas rêvé. Qu'est-ce que c'est? Oh, gros joujou. Je le veux. Oui, je le veux. Ouais, je l'ai eu. Allez, on va balancer des petits pois, piste au pois, dans le vaisseau zombie. Ouh. Je vais faire péter un gros truc qui fait boum. Oh, un gros truc qui. Et là, j'adore, c'est la beauté des flammes. Est-ce que j'ai fait du bruit? Ah, bah si, ils m'ont entendu. Eh oui, les copains, ils m'entendent quand même. Eh, venez, les copains. Ouais, bah ils sont pas arrivés, j'ai pas laissé le temps d'arriver, c'est après j'ai arrêté la partie. J'aurais pu filmer après. Oh, boum boum. Non, il a pas fait boum boum. Ah, j'ai le bruit, l'effet des douilles qui sort, enfin c'est génial quoi. Oui, gros boum boum. Waouh, génial. Enfin bref, je vous conseille Metal Gear Solid Ground Zero. Qui est à 29€ sur le live. Allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt.